Le véhicule de la victime a terminé sa course en fin de soirée dans ce rond-point situé entre Gignac-Lanerte et Châteauneuf-les-Martigues. Une route très peu fréquentée à cette heure-ci, les témoignages sont donc rares et précieux. L'homme, âgé de 35 ans, abattu d'une rafale de fusil mitrailleur, probablement de type Kalachnikov. 36 projectiles ont été retrouvés sur les lieux du crime. Le mode opératoire des tireurs n'est pas totalement connu. Ils auraient fait feu depuis une voiture. Et à en croire ces images d'enquêteurs à la recherche de douilles tournées 2 km plus haut, plus qu'un guet-apens, la victime pourrait avoir été prise en chasse sur une certaine distance. Un raid sauvage visant cet homme d'origine sénégalaise, connu des services de police, notamment pour séquestration.